À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, on a la surprise ce matin d'avoir Monsieur Lino qui a voulu venir faire un petit câlin. Alors, samedi 13 juin, j'espère que vous vous apprêtez à passer une belle journée. En ce samedi, que vous avez un petit peu pouvoir, vous allez pouvoir prendre un petit peu de temps pour vous reposer, pour prendre soin de vous, afin de se préparer à la magnifique semaine qui nous attend. Et reprendre un peu, on va dire, des forces, de l'énergie, prendre soin de vous, prendre le temps de vivre. Vous voyez, le temps, je vous souhaite d'avoir le temps, de voir le temps s'écouler, même si on sait bien sûr qu'il n'existe pas, mais vous savez, de vivre ces moments où il ne se passe rien. Vous êtes là, tranquille, posé. Et juste, il se passe rien. Voilà, vous êtes là comme ça. Ça, c'est vraiment important pour se ressourcer. Alors, les rendez-vous d'aujourd'hui. Oui, c'est du café, Lino. Tu vas pas aimer. C'est très chaud en plus. Ça va te brûler. Les rendez-vous d'aujourd'hui, eh bien, on se retrouve à 10h, 9h55 sur Insta pour un petit live. On va aller regarder un petit peu les messages des guides. On se retrouvera en fin de journée pour une vidéo sur la chaîne YouTube. Et voilà, et sinon, eh bien, les portes des soins et pleine lune, nouvelle lune sont ouvertes. Les rendez-vous pour les guidances aussi. J'ai mis à jour le calendrier parisien. Donc, il y a encore quelques places pour juin. Peu, parce qu'il reste très peu de jours où je vais être disponible, mais il y en a. Il y a des places pour les guidances à distance. Voilà, hein, tout est là, tout est dans la barre d'infos. Le soin de la nouvelle lune, c'est vraiment cette idée de saut quantique, mais je vais en reparler ce soir, je crois, dans la vidéo. Je ne sais pas encore, mais a priori, je pense qu'on va me proposer de vous en reparler. Hop, on y va. En attendant, on ne tarde, on ne fait plus tarder. Je vous souhaite parce que je sais que certains d'entre vous vont me regarder en buvant votre thé ou votre café. Eh bien, ou du fond de votre lit aussi pour d'autres. Il y a certaines d'entre vous qui me regardent dans leur lit. Ok. Aujourd'hui, une très très belle carte qui vient nous parler d'illimité. Hop, je vous montre la carte déjà. Et le texte, je vais vous le lire sur tout le dessin que je vous montre. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Je me réalise pleinement et je me permets de me dépasser. J'enlève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances pour ouvrir ma conscience à l'illimité. Il n'existe pas de fin, tout est continuité. J'élargis donc mes pensées vers un horizon plus grand, au-delà de ma perception de la réalité. Je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que quand je vous parle de se faire ce silence-là, de prendre cette pause pour faire ce silence, c'est justement pour vous permettre de toucher du doigt que vos peurs, vos croyances limitantes, toutes vos peurs ne sont que des fabrications de votre mental. Alors attention, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que leur réalisation dans la matière n'est pas vraie. Hein. Si, si. Parce que comme les peurs. Attendez, monsieur Lino, qui va aller jouer avec ses joujoux? Comme les peurs et les croyances sont des pensées qui fabriquent des choses dans la matière, puisque tout part de nos pensées. Tout ce qui se passe dans notre vie est créé par notre pensée. Quand je dis créer, il n'y a pas quelque chose de volontaire là-dedans. C'est un acte complètement involontaire. Donc, par nos paroles et nos pensées, on attire plus ou moins certaines situations. Si vous avez peur des autres, vous avez peur d'être volé, vous avez peur qu'on abuse de vous, y a beaucoup de chances que ça vous arrive. Si vous. Enfin, vous voyez, tout ce dont vous avez peur va se manifester puisque vous l'avez pensé. Donc, ça arrive vraiment. Donc, quand ça arrive, bah oui, quand ça arrive, évidemment, c'est pas de votre faute. Vous dites, bah, j'ai pas fait exprès. Bah, non, tu n'as pas fait exprès au sens, on va dire, petit humain du terme, mais au sens divin, ta partie divine, elle dit, mais tu l'as pensé. Tu l'as pensé, tu le crois, donc tu le fabriques. Vous voyez? Et bien là, aujourd'hui, ça, cette idée de ce que je pense et ce que je crains se fabrique, on aura mille fois l'occasion de revenir dessus. Et on l'expérimente en permanence. Alors, en bien, comment, en moins bien. Et là, aujourd'hui, on vous propose, la proposition d'aujourd'hui de Sananda, c'est de se dire, aujourd'hui, je vais essayer de trouver du temps pour déjà à ralentir mon rythme, si je peux. Si je peux, hein. Pour celles et ceux qui travaillent, évidemment, ça va être un peu différent. Bien, c'est peut-être une proposition qu'il faut garder pour un jour où vous n'allez pas travailler. Mais pour celles et ceux qui
travail, si vous aimez vraiment, voilà, c'est ça. Mais pour les autres, même si vous ne travaillez pas toute la journée, mais juste une partie du temps, eh bien, dans les moments de vacances, hein, parce que les vacances, hein, c'est bien un moment où, où il ne se passe rien, un moment entre deux. Vacances, c'est un moment entre deux occupations, vous voyez. Donc, pendant vos moments de vacances, eh bien, vous allez pouvoir vous poser dans ce truc-là, dans cette pensée qui est, en fait, je peux tout faire, je peux tout réaliser, je peux tout obtenir si j'accepte de lâcher mes peurs et mes croyances limitantes. Ma peur de ne pas y arriver, mes croyances limitantes de je ne suis pas capable, enfin bref, tout ce que vous avez comme croyances limitantes. Si cette proposition de pensée assez vague vous met mal à l'aise parce que vous vous dites « Non, mais je ne comprends pas, c'est pas assez concret pour moi. » Si votre mental vous renvoie ça et ça peut arriver en disant « Mais non, moi, je n'accepte pas à ça. » Et c'est pas grave, c'est OK. Eh bien, vous allez prendre un sujet très précis. Vous allez, je ne sais pas, moi, peut-être prendre... Je peux vous donner plein d'exemples, mais quelque chose que vous voudriez voir progresser dans votre vie. Mais très concret. Je ne sais pas, par exemple, vous avez un salaire de X euros, vous voulez gagner 20 à 30% de plus, enfin, peu importe, je ne sais pas. Vous voyez, vous êtes dans un appartement, vous voulez une maison, vous voyez, quelque chose que vous voulez voir progresser dans la matière. Pourquoi je vous demande de prendre un exemple dans la matière? Parce que ça va être plus facile à ressentir pour vous. Peut-être pour les autres, vous pouvez rester vraiment sur cette idée. Hein. Mais donc, vous prenez votre sujet, vous dites, bah, sur quoi j'aimerais cette année, par exemple, vous pouvez donner un champ assez large. Pas vous mettre de pression. Cette année, j'aimerais progresser, j'aimerais vraiment, voilà, j'aimerais ça. Et vous vous arrêtez là-dedans, et vous commencez à dire, commencez à écouter, là, par contre, vous allez mettre cette idée. Je sais pas, je voudrais une maison en bord de mer, par exemple. Je voudrais habiter en front de mer, si vous n'habitez pas du tout en bord de mer. Vous allez vous mettre là-dedans, vous mettez dans l'idée, on va prendre une maison en front de mer, tiens. Vous prenez l'idée, vous mettez, je voudrais habiter une maison en front de mer. Et là, si vous vous arrêtez... Il y a un très joli papillon qui vient me rendre visite. Un mini papillon à qui on va ouvrir la fenêtre après. Sinon, Lino va le manger. Parce qu'il est très, très jaloux. Il n'aime pas qu'il y ait des intrus dans sa maison. Si vous habitez en ce moment en plein cœur de Paris ou d'une grande ville très loin de la mer, dans un petit appartement, eh bien, si vous posez cette intention d'avoir une maison en bord de mer, il y a tout de suite le mental qui va venir vous envoyer tout un tas de « c'est pas possible ». Et pourquoi c'est pas possible? C'est pas possible parce que, c'est pas possible parce que, c'est pas possible parce que. Ben vous prenez un deuxième temps où vous accueillez tous ces c'est pas possible. Vous ne stoppez pas ça. Surtout, vous ne le stoppez pas. Vous les accueillez et vous imaginez que vous les mettez dans un sac, vous pouvez même les noter si vous voulez. Moi, je le fais pas, mais parce qu'on n'a pas besoin de les renforcer. On y croit déjà assez à ces trucs-là. Donc, c'est pas possible, 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 c'est pas possible. Vous dites à votre mental, peut-être. C'est peut-être vrai, je ne sais pas. C'est là où le mot magique arrive. Je ne sais pas, ça c'est le mot magique. Vous dites à votre mental, tu as peut-être raison, mais tu as peut-être aussi tort. Je ne sais, moi, je ne sais pas d'où je suis, là, d'où je te regarde. Je ne sais pas. Et comme je ne sais pas, si tu me le permets, et en tout cas, je m'autorise à confier ça à Dieu, à la vie, à l'univers, à mes guides, enfin, qui est le plus confortable pour vous. Et vous prenez ce petit sac là, ce petit tas de c'est pas possible, et vous les remettez entre les mains de Dieu, de l'univers, de la vie, en disant voilà, ça moi aujourd'hui, je voudrais me débarrasser de ça. Je voudrais, parce que je sais que c'est, je sais que c'est possible, je sais que je suis illimitée, en tout cas. J'en fais confiance en ça, parce que si tu me le dis, parce que vous êtes illimité, c'est Dieu qui vous le dit. Donc, je te fais confiance, tu me dis que je suis illimité, je te fais totalement confiance. Seulement, voilà, il y a ça, mes peurs. Je te les confie et voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire sur tout ce qui vous... À part que vous allez sentir... Alors, peut-être que vous êtes obligé de le faire plusieurs fois, hein, parce que les croyances limitantes... La machine à fabriquer des croyances limitantes et des peurs, elle est sans arrêt. Et dès que vous allez commencer à faire ça, vous allez commencer à sentir si ça coince quelque part dans votre cœur, si vous avez une boule d'angoisse, ici, là, au creux, ou un peu plus bas, ou je ne sais pas, ou mal au dos, vous allez commencer à sentir que ça se détend. Ça se détend parce que le mental, l'ego, le mental n'est pas frustré. Vous l'avez écouté et vous lui avez juste dit, je ne sais pas,
Peut-être t'as raison, mais peut-être pas. On ne sait pas en fait en vrai. Comme on est illimité, on ne sait pas. Toi, tu dis je suis pas illimité. Dieu me dit je suis illimité. Moi, je ne sais pas. Dans le doute, moi, je ne sais pas. Donc, dans le doute, je vais croire. J'ai envie de croire Dieu. Hein. J'ai envie de lui faire confiance. Plutôt. Maintenant, j'ai entendu ce que tu as dit. Bah, les limites que tu me poses, bah, on va les lui donner. Il va s'en occuper. Et vous respirez ça, voyez-vous, quand je dis vous respirez ça, c'est vous restez là-dedans, vous n'allez pas au-delà, vous ne commencez pas à faire le boulot de l'univers en disant, oui, mais alors, bon, alors, il m'a dit que je ne pouvais pas parce que je travaillais à Paris. Oui, mais enfin, je pourrais demander ma mutation en province. Ah oui, non, mais il m'a dit que je ne pouvais pas parce que je ne gagnais pas assez, je n'ai pas les moyens. Oui, mais alors, donc, je pourrais quand même. Non, stop, stop, stop. Le comment, vous ne vous en occupez pas aujourd'hui. Vous vous occuperez du comment quand vous aurez reçu le feu vert de l'univers qui vous demandera d'aller poser des actions. Quand vous recevrez l'intention très forte de dire, bon, bah, tiens, voilà, c'est le moment là d'aller dans une agence immobilière. Tiens, c'est le moment d'aller appeler un tel. Et vous ne saurez pas pourquoi, je vous serai poussé à aller faire tel truc. Là, ce sera le début du passage à l'acte pour vous. Mais tant que vous n'avez pas reçu le feu vert, ne vous débattez pas en tous sens. Vous êtes, parce que quand vous vous débattez en tous sens pour aller contrer vos croyances limitantes, vous les renforcez. Vous les renforcez. Que vous soyez en train de leur donner raison en disant mais oui, de toute façon c'est nul, c'est complètement débile de rêver qu'un jour j'aurai une maison en bord de mer, ou quand vous luttez en disant à vos croyances limitantes tais-toi, dans les deux cas, vous les renforcez. Dans les deux cas, vous leur donnez raison. Donc, ce qui vous est proposé, c'est ne pas les écouter, ne pas le bouger. Il n'y a rien de pire que de vouloir faire taire quelqu'un qui a envie de parler. Vous voyez bien qu'à un moment donné, il trouve toujours le moyen de parler. La seule proposition que vous avez, c'est de dire, moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai décidé de faire confiance à Dieu. Et c'est, vous pouvez avoir la certitude que c'est vrai, que vous êtes illimité, mais que vous ne savez pas comment faire. Vous pouvez être complètement là-dedans, ben ouais, je sais que je suis illimité, mais je ne sais pas comment faire. Voilà, et ça déjà, c'est une belle déclaration à l'univers, mais je te fais confiance. Bien, je ne sais pas et je te fais confiance. Ou alors, oui, peut-être, mais en attendant, pour l'instant, j'y arrive pas. Mais je te fais confiance. Il y a toujours je ne sais pas et je te fais confiance. Et quand vous allez goûter ça, vous allez être là-dedans, vous êtes planté cette graine. Hein, la maison en bord de mer, c'est une graine que vous venez de planter. Vous vous rappelez l'histoire de la graine? Je l'ai plantée, maintenant je n'ai plus qu'à l'arroser, je ne vais pas la dé. À chaque fois que vous allez écouter vos croyances limitantes, leur donner raison ou les combattre, vous allez déterrer la graine. Ça finira par ne pas pousser. Ça, c'est sûr. Tous les jardiniers vous le diront. Et non seulement ça ne va pas pousser, puis au bout d'un moment, la graine, vous allez l'avoir tellement touchée qu'elle ne va plus. Le jardinier va vous dire, il faut aller en planter une autre. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là à dire. Et aujourd'hui, c'est ça qui vous est proposé. Alors, pourquoi je vous dis, c'est plutôt facile à faire sur un moment de tranquillité et de calme? Parce qu'au début, quand vous jouez à ça, c'est un jeu, le mental est extrêmement puissant. Et vraiment, même, c'est même, peut y avoir même un regain d'anxiété, hein, d'angoisse, de pensée limitante au début, parce que lui, il s'affole. Et c'est bien normal qu'il s'affole. Mais vous avez juste à répondre, je ne sais pas, tu as peut-être raison, tu as peut-être tort, mais je vais faire confiance à Dieu. À partir du moment où vous déclarez à Dieu, je ne sais pas, je te fais confiance, c'est aussi magique que gratitude. Voilà. Je ne sais pas, je te fais confiance. Parce que la confiance, elle doit venir avant la preuve. Si vous faites confiance qu'après, bah ça ne fonctionne pas. Faire confiance par principe, deux principes. Et après, ça c'est pour les impatientes, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous. Je leur fais un petit clin d'œil, je vous aime, je vous aime toutes, mais celle-là plus particulièrement. C'est celle qui me pose toujours la question de comment, quand, pourquoi, était sûre, moment. Voilà, ça c'est mes petites impatientes. Eh bien pour vous, c'est double ration, non, je plaisante. Pour les impatientes, eh bien oui, il y a aussi, vous avez vos peurs, vos croyances limitantes, vos peurs à aller apaisé en les écoutant. Et puis vous avez votre impatience. Si madame impatiente, ben, il faut lui dire, faut l'occuper à autre chose. Vous voyez, si vous avez un truc qui vous obsède, voilà, vous voulez absolument un truc qui vous obsède et c'est pas le moment, la graine n'a pas encore poussé, eh bien la seule façon de calmer votre impatience, c'est de l'occuper à autre chose sur lequel là vous avez la main. Donc en attendant,
vous occupez votre impatience, vous trouvez un autre os à ranger, un autre truc à faire, mais quelque chose sur lequel vous avez de l'action aujourd'hui. C'est la seule façon de goûter que vous êtes illimité, que tout est possible, que tout ce que vous, toutes les croyances limitantes que vous avez, ça n'existe pas en vrai, c'est vous qui les avez fabriquées. Vous avez fabriqué les pensées, par contre dans la matière, ça a créé des choses vraies. C'est pour ça que c'est outrageant de dire à quelqu'un, non, mais ce qui t'arrive, c'est rien. Non, c'est pas rien ce qui nous arrive, c'est jamais rien. Et ça, c'est très outrageant et c'est normal. Mais par contre, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est pas rien. En revanche, tu peux faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Ça, c'est possible. Ça, c'est de ta possibilité. Pour ce qui est fait, au mieux, on va essayer de l'améliorer. On va essayer de faire en sorte que la difficulté devienne une opportunité. Mais ce que tu peux faire, là, c'est faire en sorte que ça ne se reproduise jamais. Ça, c'est possible. Pour que ça ne se reproduise jamais, il faut que tu reprennes conscience qu'il faut choisir le gouvernement de l'amour et non pas le gouvernement des peurs. Tout ça, c'est fabriqué dans ta vie, malgré toi, bien sûr. C'est pas de ta faute et c'est terrible parce que tu étais dans le gouvernement de la peur. À partir du moment où tu vas revenir dans le gouvernement de l'amour, petit à petit, ce qui est fait, est fait. Mais petit à petit, tout ça va sortir de ta vie. Tu vas avoir moins de gens qui te font des choses comme ça, moins de trucs de moins en moins, de moins en moins. Et de plus en plus, c'est remplacé par de l'amour. Et c'est là-dessus que tu as l'action. Et quand tu es en plein dans la peur et que tu as tout un tas de trucs qui t'arrivent sur le coin du museau très désagréable, eh bien, oui, c'est insultant, je trouve, que quand vous entendez un coach ou un thérapeute ou un médium, peu importe, un médium vous dire « Non, mais tout ça, tu l'as créé, tu l'as inventé. » Mais qu'est-ce que c'est outrageant ? Parce que oui, c'est vrai en soi, mais ce qu'oublie de vous dire, et c'est ça vraiment, c'est ça, c'est, et c'est pas pour vous faire déculpabiliser hein, que je dis ça, parce que c'est pas du tout je tiens pas du tout des propos de complaisance, n'en déplaise à certains, mais jamais que ce soit en consultation ou en... Je préfère mille fois qu'on me dise « Non, mais c'est n'importe quoi, tu t'es trompé », que de raconter de n'importe quoi aux gens. Parce que pour l'instant... Quand je dis quelque chose à quelqu'un, je ne peux pas le prouver, c'est la vie qui va le prouver. Et je m'en fous d'avoir raison ou tort. Parfois, j'aimerais avoir tort. J'aimerais pouvoir annoncer des choses plus sympas, en tout cas dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, et pas pouvoir le faire. Donc là, si je vous dis ça par rapport à ce que vous avez, si vous vivez des choses difficiles dans votre vie, ce n'est pas du tout pour être complaisante. Bien sûr que ça existe. Bien sûr que le fait en lui-même, vous ne l'avez pas créé. Mais vos pensées et le fait que vous soyez sous le gouvernement de la peur ont favorisé l'arrivée de ça. Donc, vous n'êtes coupable de rien, il ne faut pas vous en vouloir. Vous n'êtes responsable et coupable de rien. Peut-être votre part dans les trucs, mais ça, c'est vos histoires d'ego entre vous et les choses, et ça, c'est pas très important. On ne parle pas de ce plan-là, on parle d'un autre plan. D'un point de vue vibratoire, vous n'êtes responsable de rien, mais maintenant que vous savez, vous êtes là maintenant, vous devenez responsable. Parce que là maintenant, si vous restez dans le gouvernement de la peur et que vous ne venez pas donc dans le gouvernement de la séparation, cette histoire de main, si vous êtes persuadé que la main elle est coupée, qu'elle se débrouille toute seule et qu'elle n'a aucun lien avec celle-là, là maintenant que vous savez, vous êtes en train de le faire en conscience. Donc là, si vous créez des choses difficiles dans votre vie, vous pourrez vous dire « ouais, non, mais je le savais ». Là, ça y est, là maintenant, vous devenez responsable. Alors c'est ça qui est très difficile. Mais à partir du moment où vous allez vous mettre dans le gouvernement de l'union, de l'unité, alors attention, le gouvernement de l'unité, c'est pas trouver tout le monde gentil, beau, intelligent et faire des grands sourires tout le temps, béat. C'est pas du tout ça. C'est même quelqu'un qui est pénible, même quelqu'un qui vous est désagréable, même quelqu'un à qui vous allez dire non, je ne suis pas d'accord avec toi, ou non, je ne veux pas, ou je suis désolée, mais non, eh bien, vous pouvez envoyer beaucoup d'amour. Et vous dire, bah, je l'aime quand même cette personne parce que cette personne, elle est très loin de moi, elle est là, mais on fait quand même partie du même truc, donc on peut être en désaccord avec des gens qu'on aime énormément. Et c'est ça qu'on vient vous dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est vraiment confiance, tout est possible, voilà. Tout est réellement possible. Je dis souvent en rigolant, mais on est beaucoup, et je le vis, c'est aussi facile de fabriquer un euro qu'un million d'euros, pour parler d'argent par exemple. Je parle de ça, non pas parce que ça vous parle bien, ça. C'est aussi facile de fabriquer une Mercedes que de fabriquer dans votre vie. Quand je dis fabriquer, c'est créer dans votre vie, hein. Faire venir dans votre vie. C'est juste une question vibratoire. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. D'ailleurs, vous le voyez chez les gagnants au loto, ils ont tous un point commun. Ils ont tous des croyances limitantes et des peurs, bien sûr.
et ça vient après en général, mais quand ils ont gagné, ils étaient tous dans une période de leur vie de totale lâcher prise et de totale confiance en la vie. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucun doute sur le fait qu'un jour ça pouvait arriver. Ils n'en étaient pas sûrs, mais ils ne pensaient pas que ce n'était pas possible. Alors je vois plein de gens qui jouent l'auto en disant non, je joue, mais de toute façon, je sais que ce n'est pas possible. Bon, bah, joue pas. Tu vois, joue pas. Je n'ai pas d'action chez l'auto, hein, je parle de tous les jours en général. Mais... Alors que ces gens-là, ils vous disent, si vous écoutez, pour avoir la chance de pouvoir en écouter un moment de ma vie, ils vous disent tous, c'était un moment où j'étais complètement... J'étais prêt parce que je ne le souhaitais pas plus que ça, mais je ne pensais pas que c'était impossible. Je pensais que c'était tout à fait possible. Et hop, ça m'est arrivé. Si vous êtes capable de le fabriquer pour les sauts de merde, entre guillemets, vous êtes capable de le fabriquer pour les choses positives. Même si gagner 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros, c'est peut-être pas une fin en soi pour vous, peu importe. Hein. Je prends cet exemple parce que c'est très concret. Parce que après, bah, eux, ils souffrent après parce qu'il y a les illusions de ce qu'apporte l'argent et de ce qu'elle ne peut pas apporter. Et elle n'apporte pas le bonheur. Quand certains me disent oui, mais elle y contribue, même pas. Même pas parce que c'est encore plus outrageant quand vous êtes financièrement très aisé d'oser dire aux autres que vous êtes malheureux. Alors, donc, si vous êtes malheureux, c'est encore plus difficile d'oser le dire dans la vraie vie. Donc, parce que apparemment, pour les autres, vous n'avez pas de raison de l'être. Comme si, parce qu'on avait de l'argent ou parce qu'on était à l'abri matériellement, on n'a aucune raison d'être malheureux. Mais ça, c'est un autre sujet, on a l'occasion d'en reparler. Donc, l'argent, l'argent, c'est pas une fin en soi, c'est une énergie. Hein. Comme toute vibration. Mais elle vibre à un certain niveau. Donc, c'est ceux qui sont en manque. On aura l'occasion de parler de ça. Pourquoi je manque d'argent on pourra en parler un jour. Bah, c'est parce que vous n'êtes pas au niveau vibratoire de l'abondance. C'est tout. C'est pas une question de vous mériter ou méritez pas. Je vous dis, c'est vraiment l'histoire du mec qui veut écouter Europe 1 et qui se branche sur RTL. Quoi. Ça peut durer longtemps. Donc, voilà. On conclut là-dessus aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment ce... Tout est possible, voilà. Aujourd'hui, les guides nous disent tout est possible. Et là, on remercie Sananda parce qu'il vient vraiment nous donner une recette pour le faire. Donc, c'est encore une vidéo à garder précieusement. Hein, je rappelle le mécanisme. J'ai un désir, soit le désir de tout, je veux tout, tout ce qui est possible, même ce que j'imagine pas. Vous pouvez être complètement là-dedans. Et si vous avez besoin de choses plus concrètes, vous pouvez poser un désir très concret. Là, vous allez avoir toutes les peurs, les croyances limitantes qui arrivent. Surtout, vous ne les faites pas taire, vous les prenez. Plus vous allez faire le jeu, moins vous en aurez. Hein. Vous les prenez, vous accueillez, vous leur dites oui, c'est possible, mais il se peut aussi que ce soit que tu te trompes. Moi, comme je ne sais pas comment faire, je ne sais pas, c'est vrai, tu as raison, je ne sais pas, eh bien, je vais confier ça à Dieu. Et vous appelez Dieu, l'univers, vos guides, hein, comme vous voulez. Moi, je vous conseillerais plutôt de passer directement sur l'univers et Dieu parce que vos guides, Michael, ils servent à autre chose, mais si c'est plus confortable pour vous, si directement parler à Dieu, ça vous semble très, très impossible parce que vous allez, oh, je dis pas non, c'est pas possible, voilà, bon, voilà, eh bien, vous faites comme ça. La source, hein, voilà, vous pouvez, le grand tout, le grand ordinateur, enfin, il y a plein de mots, eh bien, vous confiez de ça, vous allez voir en disant, écoute, moi, je te crois, je crois vraiment, parce que cette partie d'où qui vous dit que tout est possible, c'est votre partie divine. Vous pouvez dire à Dieu, je crois vraiment que c'est possible, seulement je ne sais pas comment faire. Voilà. Parce que regarde, j'ai tout mon sac, la croyance limitante qui est là, ils sont là, et j'aimerais bien que ça s'arrête. Donc, je te donne ça. Donc, je te dis, je te crois. Je te dis, ouais, c'est vrai, Dieu, c'est vrai, c'est possible, je te crois. Seulement, comme je ne sais pas comment faire, ben, je vais te faire confiance. Et c'est tout. Et c'est tout, stop, vous n'allez pas au-delà, oui, mais non, stop, vous laissez. Vous avez planté la graine, vous laissez. Et après, bah, vous n'avez plus qu'à vous mettre en position de... Ah, déjà, vous respirez, ça va déjà beaucoup mieux. Et vous mettez en position de, bah, maintenant, je vais attendre. Vous savez, vous êtes dans l'attente, mais pas une attente d'impatience. C'est Noël, vous voyez, un enfant à Noël, il n'a aucun doute sur le fait qu'il va avoir des cadeaux. Il est juste impatient d'arriver à la date. Alors vous, bah, vous êtes sûr que ça va venir. Tout un tas, si vous avez posé la graine de « tout est possible dans ma vie », bah alors là, c'est génial parce qu'il y a plein de trucs qui vont arriver. Alors, des trucs qui vont vous surprendre. Vous dire waouh, et voilà. Vous laissez faire. Et si vous avez posé une graine particulière, bah vous laissez l'univers vous l'apporter. Vous laissez le temps au temps. Plus vous êtes éloigné vibratoirement de la chose, plus ça met du temps à venir à vous. Enfin, ça met du temps pour que vous alliez vers plutôt. Mais vous avez l'impression que ça vient à vous. Peu importe. C'est une notion de passé, présent, futur. Et vous faites ça et c'est tout. Et après, bah, qu'est-ce que vous faites concrètement? Bah, vous continuez votre vie aujourd'hui. Voilà, vous vivez votre vie, vous êtes peinard, si vous devez aller bosser, vous allez bosser, si vous avez un jour de repos, vous reposez, si vous voulez regarder les films, vous regardez les films, si vous voulez aller vous baladez, vous n'y pensez plus à ce truc-là. Et si les pensées limitantes reviennent, elles, vous en disant non, mais quand même, hop, de nouveau, adieu,
Non, vous dites, tiens, voilà, on vole encore, je sais pas quoi en faire de ça. Vos croyances limitantes, vos peurs, vos pensées, vous ne pouvez pas les combattre avec le petit personnage, vous ne pouvez pas, on ne peut pas. C'est pour ça que ça me semble toujours une hérésie de dire, je vais t'apprendre à gérer tes émotions. Quel non-sens. Quelle violence. Alors oui, certains y arrivent, hein. Et très volontaires, ils y arrivent. Mais alors à quel prix? Mais tout sous cadenas, hein, vous voyez, ils cadenassent tout est cadenassé. Alors vous voyez, quand vous les voyez, c'est nickel. Ils sont là, ils sourient, ils trouvent tout super. Mais alors à l'intérieur, c'est en train de bouillir, le jour où ça va exploser. Waouh! Ou quand ça explose, parce que ça explose toujours un jour, alors là, c'est la grande descente aux enfers. Donc, on va s'éviter ça. On va s'éviter de se faire du mal. Ce serait vachement bien quand même, parce qu'on n'est pas là pour ça. On va être très bienveillant avec nous-mêmes. On va juste faire écouter. Je ne sais pas, je te fais confiance. Voilà le programme du jour. Vous pouvez passer votre journée à dire ça. Je ne sais pas, mais je te fais confiance. Je ne sais pas, mais je te fais confiance. D'ailleurs, vous verrez beaucoup chez les coachs spirituels, les médiums, dire je ne sais pas. Mais moi, 9 fois sur 10, je ne sais pas. Pour moi, pour les choses, je ne sais pas. Je dis, ben, je sais pas, on va voir ce que ça donne. On va laisser l'univers faire son job. Laisser la vie faire son job. Je le dis souvent, ça. C'est d'ailleurs le titre de la rencontre partage qu'on aura au mois de juillet. L'art de permettre ou laisser la vie faire son job. Vous voyez, c'est l'art de permettre. Ben, c'est ça, l'art de permettre. C'est en une toute petite partie. On l'expérimentera de jour en jour ensemble. Voilà, je vous souhaite un magnifique samedi. Très longue vidéo, je suis désolée. On se retrouve à 9h55 pour celles qui sont sur Insta. Et ce soir pour un tirage pour les autres. Bye bye!